à Istanbul. Hey, je peux pas croire que je te rencontre en Turquie. Her shape, I'm Bashka Olaja. I feel like a superstar. Cette semaine à Accès Limité, Ima part à la conquête de la Turquie. Ima est très fier de lancer cette semaine au Québec son nouvel album Love Moi, composé uniquement de chansons originales. Au même moment, elle connaît un franc succès en Turquie. C'est à Istanbul et Ankara que nous l'avons retrouvée, en spectacle et surtout en plein tourbillon médiatique. Your first time here. It's my third time and I'm very excited to be back in Istanbul. Teşekkür ederim. Ouais, c'est dans mes Welcome, Istanbul! Hello, beautiful. Good morning. We are now everywhere in Turkey in the news. Oh my goodness. Cool. You're the cover. On the cover. What does it say? She's coming with the love songs. Agenda of Ankara and Istanbul. There's so many like this in Turkey now. These are the photos that you I know, I remember. You have one more. Oh my God, that's a big one. It's here also. Really? You see? From the airport. Oh my goodness, I look like a superstar with the glasses. You arrived to Turkey, honey. Est-ce que c'est Ima? Le Québec à Istanbul. Hey, je peux pas croire que je te rencontre en Turquie. Oh, hein. Mais là, moi, je veux tout savoir. Là. Comment la Turquie est arrivée dans ta vie? J'ai fait le festival de jazz en 2011 sur la grosse scène à l'extérieur. Puis Sinan était là, puis il a vraiment trippé parce que là, j'avais fait, c'est ça là, en quatre langues, français, anglais, italien, espagnol, très latin, il y avait des percussions, tout ça. Fait qu'il y avait vraiment un feeling exotique qui se dégageait de ça. Puis ils sont venus à nous. Ça te fait pas justement qu'il y ait un buzz Ima en Turquie, tu sais, pour nous, c'est comme... On dirait que je le réalise pas. Tu sais, je suis comme, voyons, ça fait pas mal, donc c'est-tu un rêve, c'est-tu vrai? T'as toujours voulu une carrière internationale. C'est ça qui est fou, c'est que depuis que je suis toute petite, c'est clair. C'est ça que je veux. Et là, avec les Olympiques, la patineuse japonaise Mao Sada... Mais oui, c'est pas juste en Turquie, là ça oui, se développe pour toi ça. Au Japon. C'est là, la Turquie, c'est parfait, ça s'en vient. Et là, le Japon, elle décide de choisir ma chanson, ma version de Smile, qui est sur l'album Smile, ouais. Pour faire sa programmation pour la clôture des Jeux Olympiques. Tu sais, là, c'est vu par des milliards de personnes. Oui. Mais en dedans, c'est comme si j'avais encore des peurs, ce manque de confiance-là de est-ce que j'ai le droit au succès? Pourquoi tu demandes ça? Bien, je pense que ça fait partie de qui je suis au départ, tu sais. Toute mon enfance a été tough. Mes parents, ils ont eu une histoire clandestine pendant 20 ans. Fait que moi, j'étais l'enfant caché. C'est comme si t'as pas le droit d'exister, tu sais. Faut pas que le monde le sache. Fait que t'es un secret. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, ailleurs, tu sais, j'ai de la difficulté chez moi, au Québec, à avoir un succès comme ça, puis ici, ça prend comme une ampleur démesurée? Là, je lance mon 7e album, puis, tu sais, avec Smash, j'étais dans le top des ventes, tu sais, ouais. C'est ça. Mais j'ai jamais eu de reconnaissance, si tu veux, de mes pairs, tu sais, comme dans l'industrie. Puis là, il y a tellement de choses qui se passent ailleurs, puis je me dis, bien, comme l'expression dit, on n'est jamais prophète dans son pays. Ouais. Bien, peut-être que tout ça va faire qu'à un moment donné, ils vont se réveiller et ils vont dire ben voyons, qu'est-ce qu'on fait? Hey, Ima, elle vient du Québec. Merhaba Istanbul. Merhaba Istanbul. Nasılsınız? Nasılsınız? Hadi beraber güzel. Hadi beraber. Hadi beraber. Güzel. Güzel. Aşk. 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 No. No. Aşk. Burada olduğunuz. Adunuz. Olduğunuz. Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak.
J'étais pas prête à ça, je pensais pas chanter. Je suis au TV en arabe. C'est comme express aujourd'hui. C'est express, tu dis. Qu'est-ce que t'attends? Ben là, tout ce monde-là. On m'a dit que j'avais des entrevues de 4h à 6h, puis il y en avait à chaque 10 minutes. Oui. Mais là, on dirait que tout le monde est arrivé hyper en avance. Il y a mis de la pression, les capables d'en prendre. Il dit ça, il y a comme 7-8 millions qui regardent ça. Il dit, c'est un peu, c'est comme si le Québec te regarde ça. I feel like a superstar! J'ai jamais fait de show de même, là, où est-ce que j'ai pas une seconde à moi, là. Je me sentais comme plafonnée à quelque part, puis là, j'étais comme, OK, mais j'avais moins de fun. Je pensais que j'avais perdu ma flamme. Ima nous revient enfin avec son tout nouvel album, Love Moi. Ima se dévoile à travers 13 nouvelles chansons originales. Un album sensationnel dont vous aurez un immense plaisir à découvrir. Procurez-vous l'album Love Moi de Ima dès maintenant. Hier, là, je t'ai trouvé bonne là, devant les médias là, de juste commencer comme ça à chanter a cappella en turc. Je pratiquais avec Sinan puis Cenk. Puis là, on dirait que tout ce que j'avais appris, c'était plus bon. On dirait que hier, c'était ça, ma nervosité. Là, je sortais de ça, puis j'étais là. C'était-tu correct? Ouais. C'est ça. Est-ce que c'est plutôt dû à la barrière de la langue ou c'est juste comme d'être dans un autre pays puis il faut que tu performes ce soir? Puis... C'est le spectacle. Le fait de faire un spectacle, j'ai un trac fou à chaque fois. Là. Au Québec aussi? Ah, partout. Partout, tout le temps. C'est normal. Il y a un an et demi, quand j'ai fini la tournée de Precious, là, j'étais comme plus nerveuse avant le show. OK, parce qu'on avait fait une copine. Non, parce que j'avais moins de fun. Moi, je pensais que j'avais perdu ma flamme. Puis là, j'avais l'impression de me répéter depuis des années, puis je me sentais pas renouvelée. Je me sentais comme plafonnée à quelque part, puis là, j'étais comme, OK, mais... Ça, c'est supposé être le fun, là. Oh, ouais. J'avais du fun avec mes musiciens, mais... Tu sais, c'était comme, on s'en va travailler. Sauf que là... J'ai retrouvé la flamme à Noël, juste comme exemple. J'étais avec ma famille, puis là, je disais, « Ah, tu veux-tu entendre une de mes nouvelles tunes, tu sais? » Puis là, je la faisais jouer sur mon iPhone, puis là, « Ah, c'est donc bien beau! » Puis là, je me mets à chanter, puis ma tante est arrivée, ma mère. Puis là, ma mère, elle me regardait, puis elle était là, « Ah, c'est revenu! » Toi, t'as pas eu une enfance traditionnelle, hein? Tu sais, ta mère a dit que t'es comme une naissance miracle. Pourquoi elle dit ça? Bien, parce qu'elle était pas... supposée être capable d'avoir d'enfants, puis elle, c'était son plus grand rêve d'être une maman. Et quand je suis née, tout de suite après, ma mère, elle a eu le cancer de l'utérus, puis elle a dû se le faire enlever, fait que je suis son bébé miracle. Solé. Ben oui, c'est ça. T'es arrivée là, dans une période, puis c'était juste moi. Sauf qu'il y avait un hic, c'est que mon papa, il était marié. Ah oui, c'est ça. Ouais. Il y avait une famille, des enfants. Après une vingtaine d'années de relations clandestines, ils ont fini par se marier le 17 juillet 2010, donc il y a, quatre ans. Ouais. Ma mère, c'est l'amour de ma vie, là. Ça, c'est vraiment... Tu vois, j'en parle, j'ai comme le moton. Tu vois, hier, j'avais besoin de lui parler, puis j'étais là, oh, « Maman, j'avais juste le goût d'entendre ta voix. » Puis elle était là, « Ben oui, mon amour, tout va bien aller. » Puis tu sais, juste... Ah oui? C'est l'appel à la prière. Voilà, c'est l'appel à la prière. C'est beau. Ben oui. Est-ce que tu t'es toujours sentie en marge, que ce soit dans la famille ou avec tes amis à l'école dans le temps? Ouais, beaucoup. Je voulais comme être comme les autres, puis en même temps, j'ai un côté très outsider. J'aime pas faire les choses comme les autres. Tu sais, le chemin est là, puis moi, j'ai le goût de passer là. Ah oui. Ou là. Là, on dirait qu'il y a pas de pas. On va-tu voir? Ah oui, ouais. C'est plus attirant. Ouais. Que là, tout le monde y va, puis en plus, il y a du trafic, puis ouais, tu sais, j'ai pas de patience. Un peu pas mal nerveuse. Moi, j'ai pas eu deux secondes à moi, c'est pour ça. C'est fun. In the loge. Get in, miss. How are you? How are you doing? Good. Yeah? Ils t'ont expliqué, on fait un TV show live à 6 et 10. OK. Ils veulent commencer avec la toune en turc. Est-ce que Bob t'a dit que c'était live le TV show? Yes, live. Live. Live, there's like 20 million people watching it. He told me that just before. I was like, yeah. Wow, no stress. No stress. Wow. Thank you.
everything. Dishenden senses, nasıl yaşanacaklar. Jack Lord. Great. Perfect. Yay. Is it better with the hat? Without anything? Without. Non? Yeah, I think you guys look amazing. Yeah. Le seul truc, c'est que tu peux les stationner. Ouais. Ima, you can turn me or you can turn him during the performance. Okay. Hey, je capote. J'ai jamais fait de show de même là, où est-ce que j'ai pas une seconde à moi là. Je capote. Tu sens que tout déboule. Ah, ça pas de bon sens. Je le sens pas. Je le vis vraiment. Ça déboule depuis depuis tu sais, depuis qu'on est arrivé. Puis là, c'était comme un direct de comme 15 minutes là. Ouais. C'est pas des directs de 2 minutes comme non, chez non. nous là. C'est une autre planète. Pour te donner un petit kick supplémentaire, les portes ouvrent dans 30 minutes. So, I wish you an amazing show. Thank you for being here. I love you all. Woo-hoo! Woo! Ah, you're coming on the other side with me? Bye! Hey, je vais pas le temps de refaire mes vocalises. And I'm feeling... Most beautiful smile I've ever seen in my life. No! James Bond qui dit ça! Et le soir après, il m'a envoyé des fleurs. Plus de 10 ans de carrière. Qu'est-ce que tu retiens de tes 10 dernières années? Ah, que c'est vraiment un métier où est-ce que ça prend le feu sacré. Est-ce que tu fais référence au début de ta carrière? Parce que, tu sais, premier album, 4000 de vendus, ce qui n'était pas beaucoup. Deuxième... On est sortis en même temps que Star Academy. Là, ça prenait toute la place. Puis deuxième album, on signe avec Guy Cloutier. Puis quelques semaines avant que l'album sorte, il se passe ce qui s'est passé. Donc, le timing était comme jamais avec nous autres. Et là, le cadeau Casino est arrivé. Moi qui avais toujours rêvé de faire du théâtre, là-dedans j'avais étudié. Donc là, c'était deux rêves qui se réalisaient. Et après ça, on a fait l'album Smile, et là, les étoiles étaient alignées comme il faut. Puis après ça, on a fait À la vida, Precious, le best-of, tout s'est bien passé. Puis j'ai écrit un album en anglais, finalement, je réalisais, c'est pas là que je m'en vais. En janvier l'année passée, ça fait juste un an, j'ai changé complètement de direction. J'avais vraiment besoin d'aller dans un nouveau son, nouvelle image. Puis là, j'étais allée chercher tout le monde que je voulais, puis là, c'était comme, aïe, c'est mes idées, tu sais, c'est mon bébé, là. C'est la première fois où est-ce que... C'est, tu sais, de A à Z. J'ai pas fait de concessions. Et je chante, chante, et je chante, chante en silence pour ne pas tomber. C'est un album qui va toucher les gens au cœur. Les gens vont vraiment faire « Ah, au moins, je savais pas. » Je le dis sans prétention, c'est juste parce que je le vois, je le sens. Qu'elle était comme ça, qu'elle avait ça dedans d'elle? Ouais. Puis qu'elle était capable de faire de la bonne musique de même. Ah oui? Oui, oui, oui. Mon Dieu, mais renies-tu ton ancienne musique? Ou... Non, non, pas du tout. Mais moi-même, j'en revenais pas. Okay. J'étais comme, OK, je suis capable de faire ça aussi, tu sais. Wow. J'arrivais avec les cheveux super beaux, puis là, il m'a arrangé les cheveux, puis
C'est beau aussi, là, hein? C'est correct. C'est drôle parce que c'est comme la même affaire. Comment ça se passe, ton premier shooting photo de surf? Ça se passe bien. C'est-tu quelque chose que t'aimes faire, ça, les shooting photos? Ah, j'adore. J'essaie des affaires, puis après ça, c'est au photographe de me diriger un peu, mais là, j'avoue que c'est un peu difficile parce qu'il parle pas anglais. Fait qu'on y va basic. Mais toi, ton sourire, là, c'est vraiment ta marque de commerce? C'est drôle parce que mon sourire, c'est James Bond qui m'a le fait réaliser que j'avais cette arme comme sourire parce que je travaillais au Globe. En 98, Pierce Brosnan, oui, il est venu tourner un film. Okay. Puis là, je suis arrivée à sa table, « Do you want something to drink? » Puis il m'a dit, « You have the most beautiful smile I've ever seen in my life. » Non! James Bond qui dit ça! Je suis comme, « Merci, merci. » Et là, après ça, ça m'a comme donné des ailes. Et le soir, après, il m'a envoyé des fleurs. « To the most beautiful smile. » Voyons donc! Ouais! Vite! Next mission! Bye-bye! Oh. Yeah, hello, this is Ima. How are you? Okay. Sam, no. It's my third time in Turkey, and I love it very much here. I'm so excited. I don't hear good, so if there's noise, I can. Programımızın başında duyurduk. Kanadalı ünlü şarkıcı Ima stüdyomuzda bulunuyor. Birazdan onunla konuşacağız. Welcome. Thank you, merhaba. Konserlerinde de genelde öyle mi yapıyor? Well, we start with a smile. They mixing this song with the What a Wonderful World. Yes, 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 yes. I do it like that. And you know what? It's bringing me good luck. What a Wonderful World'ü İma'nın yorumuyla dinleyelim. Okay, he says, nice. Well, let good it bring you better luck this time. Time. Beautiful. Okay. Fait que là, tout le monde, de quoi qu'il a l'air, votre look? Il un petit peu plus. Par là? Non, par là. On fait une inspection, c'est ça? Ouais. Hey, ben bon show! Woo! T'as eu une journée énorme. T'as eu 4 entrevues, une session photo, un test de son. As-tu encore de l'énergie pour ton spectacle de ce soir? Ouais. Là, je t'en feu, je suis prête. T'as vraiment le vent dans les voiles. Ça se passe vraiment bien pour toi. Qu'est-ce que tu te souhaites pour la prochaine année? Je me souhaite un succès extraordinaire avec mon nouvel album, que ce soit accueilli. Je souhaite la reconnaissance de mes pairs, puis que ça m'amène à vraiment faire le tour de la Terre. Personne ne peut m'empêcher de chanter ma liberté dans les rues ou sur la scène, les cheveux longs. You can stand up. Come on, everybody. Başladım yaşamaya.